OSS 117, je vous présente OSS 1001. 1001 117, le vrai, l'unique, la légende, les mains moites, carrément. Serge est notre toute nouvelle recrue. Je me rappelle, vous, il y a 30 ans. Comment ça? Vous partez immédiatement en Afrique. Bienvenue, monsieur Cousin. Je suis la chargée de clientèle. C'est un plaisir pour la clientèle de vous avoir pour charger. J'aurais dû prendre mon slip de bain. Il ne vous manque rien. Maintenant, non. Voulez-vous que je vous réserve une table pour ce soir? Ma foi, ce serait impossible. Très cool. Mais non. C'est-à-dire? Nous vous dînons dehors ce soir. Ah. Ah. Peut-être que bientôt, nous pourrons... Monsieur Cousin. Qu'est-ce que c'est que ce foutoir? Du plaisir. Émile. Bien dormi? Comme un bébé. Et vous? Comme un homme. Hubert, n'êtes-vous pas le meilleur? Je vous répondrai oui, ça serait de la prétention. Je vous répondrai non, ça serait de la bêtise. Que savez-vous de l'Afrique? Les Africains sont joyeux, sympathiques, rigolards. Ce sont nos amis, ce sont nos frères, quasiment. Et ensuite, nous exploitons là-bas les mines de diamants, les puits de pétrole, le gaz, l'uranium. Nos amis africains sont très tendus. Bonjour, monsieur. Ils ne se sentent pas respectés ni traités d'égal à égal. Bonjour, messieurs. Bonjour, madame. Bravo. Qu'est-ce que vous faites, là? Je porte vos valises, c'est mon travail. Mais qu'est-ce que c'est que ces préjugés? Rassurez le président. Mais respect, monsieur le président. Mon ami, j'aime la France. Et votre musique C'est quand même autre chose que ce tam-tam insupportable. Je sens qu'on va bien s'entendre. Qu'est-ce que j'ai pas entendu? Et ils sont susceptibles et il faut prendre des gants. Qui ça, il? Je compte sur vous, Hubert. Aucun malentendu. Tenez. En ce moment, ils voient du racisme partout. Et vous faites ça aussi en France? Ah non, il y a beaucoup moins de noirs qu'ici. Et c'est dommage, d'ailleurs.